Matériel que moi utiliser pour capable faire il y en a option que nous pour capable faire tout chose là c'est un fil fil algodon généralement parce que le plus facile pour laver, le plus facile pour utiliser les bien sûr sont en chanlier donc les casse à n'importe quel moment ce qui veut dire que les plus faciles les plus écologiques tout. OK donc moi utiliser un fil qui numéro 8 par 12. Ça veut dire qu'il y a 12 hébras. Si. Justement, numéro crochet que recommandé d'utiliser avec fil ça, c'est 3.5. Et crochet par maintenant, c'est 3.5 que l'île. Ok? Donc, nous allons commencer. Premier bagage que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser, nous allons monter 30 mailles en l'air. Nous allons faire 30 mailles en l'air. On a fait premier point. OK. Nous allons faire 30 mailles en l'air. OK, là nous avons traitement en l'air. Ça c'est pour la largeur que tochon nous va gagner. Largeur que tochon nous va gagner. Pas bien que c'est un tochon qui gagne un point qui super résistant, ça veut dire que on pas besoin peur pour que si on pas brûler avec et tochon ça parce que il est vraiment de espace mais à et à texture là, par contre c'est nous river la texture là vraiment fort. Je veux dire, donc ça permet que les facettes, les bombes utilisées, ou qu'on utilise l'info, qu'on utilise tout le côté. Ok? Donc pour ça, nous utilisé pour nous faire plusieurs autres bagailles et tout. C'est un point qui est super résistant, un point qui est facile, super facile. Donc voilà, on a moins de 30 minutes, on gagner au moins un petit tochon pour qu'on utilise dans la cuisine, ou bien un sucre, nous connaissons. Ok? Pour les bagailles que nous allons faire, qu'on y a, deuxième bagaille que nous allons faire, pardon, c'est que sous 30 et. Sous 30. Mais en l'air ça, nous pourrons faire seulement des demi-points. De la façon la plus simple au monde, nous pourrons faire des demi-points. Là, nous pourrons faire 30 demi-points. Nous pourrons faire une main en l'air. Nous faisons main en l'air. Nous virons crochet. Nous virons travail là. Nous faisons main en l'air. Nous virons travail là. Rappelez-nous que dans tout demi-point, dans tout point que nous gagnons en crochet, automatiquement, quand vous fermez un point, les vignes baou deux parties. Vous voulez que nous voyons ça bien. OK? Les vignes baou deux parties dans un point. Vous venez gagner. Premier ou une gaine tête point qui gagne deux parties là donc qui fait donc son triangle. OK, nous pas le travail, nous pas pour le prendre aiguille là, nous pas le faire mouvement ça que généralement c'est ça nous fait côté que nous prend deux fils qui dans tête aussi donc nous pas le travail avec seulement partie qui derrière tête point qui derrière. OK, vous voulez que nous voyons bien parce que c'est super facile mais c'est tout ça qui spécialité point. Nous parlons de la partie point, nous parlons de la partie point qui c'est partie ici là, nous allons mettre l'aiguille là, la partie derrière. OK? Pour plus facile, nous calquons le travail, comme ça pour nous faire un point plus facile. Deuxième bagage que nous avons fait, c'est puisque nous prenons le faisant, nous avons là, nous avons un point aligné, c'est un point qui est aligné. Nous avons un ballot, tout point est bien aligné. Nous abordons tout le monde bien aligné. Donc, pour nous gagner ça, c'est parti ça pour nous prêter plus attention et puis reste projet bien facile. OK? Pour nous faire ça, nous allons chercher qui tête point en bas qui correspond à point nous soulier. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, du coup, c'est ça qui prend le premier tête point qui en bas. Ça, nous cherché, c'est même pas ça que nous cherchons en haut, c'est même que nous cherchons en bas. On va nous pas le faire, nous pas le... Nous voyons comment lier.
On veut que nous tout détaillons bien. Nous allons commencer. Donc, nous allons introduire l'huile dans la partie celle-là. Là, il y a un petit genre difficile, mais fais attention parce que c'est tout justement dans ma premier malade avant de faire. Ok? Donc, nous introduisons l'aiguille. Nous venons de trois fils sous l'aiguille. Nous introduisons l'aiguille, nous avons trois fils. On pourra le faire, on pourra le passer ces fils dans deux premiers fils qui sont l'aiguille. Ok? C'est juste des demi-points que nous avons fait. Mais nous gagnons une différence de distance entre points. Ok? Et puis, nous prenons fil pour une deuxième fois. Et puis, avec précaution, nous rallons, nous gagnons le premier point. Donc, mettez comme ça, il y a aligné. Ok? Nous prenons fil une deuxième fois. Pas oublier le mouvement que nous faisons. Nous prenons chercher tête point qui est à côté. Tête point qui est à côté. Mais nous allons bien. Tête point qui est à côté, c'est. Non, c'est ça, travailler. Faut nous faire attention. Ouais, c'est le travail ici, là, déjà. Travail ça, déjà. Et nous allons à côté. Tout juste à côté. Ou allons chercher deuxième tête point. Hein? Ou mettez l'aiguille en horizontal face à vous-même. Ou descendre pour chercher l'autre tête point qui est en bas. Faites ça ensemble. Chercher l'autre point qui est en bas. Ou introduire l'aiguille là. Noël? Ouais. Moi j'ai mis trois fils sur l'aiguille moi. Moi prends deux fils. Mettez deux fils sur l'aiguille. Et puis moi prends l'autre deux fils. OK. On va le faire ça deux fois encore. On va répéter même processus là. Dans tout, c'est seulement ça qui boit. Nous descendons chercher ce point qui correspond en bas. Ce point qui correspond en bas. Nous rentrons aiguille là. Nous avons trois fils sur aiguille. Moi. Fais attention pour que n'importe quel fil arrête derrière. Je prends deux fils. On va répéter le même processus là jusqu'à ce que nous arrivions dans la pointe là. Fais attention, prends patience avec parti ça. C'est les mêmes qui parce que c'est puisque nous travaillons à petite échelle, fil n'est pas gros. Donc là, prenons aussi temps pour que nous capables de jouer une tête fil bien. Surtout tête fil qui est en bas. Ok, pas moi, recommande pas comment de travailler avec un fil qui petit, surtout si on fait pour la première fois. Ok? Mais, on passe l'aiguille, moi. On va continuer jusqu'à ce que je arrive dans le dernier point là. Il y a encore un dernier point là pour moi montrer une spécificité qui gagne dans la dernière partie qui contribue à que le projet soit bien carré. Ouais, bien point ou puis le plus parfait, le plus uni possible pour que nous ne nous capable pas faire. Ouais. Ouais, m'a continuer bon côté pam. Ok, là nous arrivons dans le dernier point sous projet noir, dans la rangée ici là. Qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons que nous avons son dernier point? C'est lui qui est dernier point parce que nous avons un triangle ici là. On peut nous bien, nous avons un triangle ici là. Ok? Donc, le nom est triangle ici là, si on a erreur généralement qui fait, c'est que les nous avons un point ça, c'est-à-dire que c'est le dernier point. En pile fois, nous sauter point ça. Et sauter point ça, libre à le faire que nous commençons à contrer parce que sauter là ou pas sauter dans l'autre ligne, et puis le projet a commencé à réduire ou bien le projet a pas gagné. S'ils sont rectangles, mais s'ils sont carrés, ils perdent forme. Li.
OK? Donc, pour ça, à son point qui, c'est lui-même qui, c'est un point, un premier ingénieur qui est plus compliqué toujours. Mais c'est seul, c'est plus grande difficulté que nous avons. OK? Ça, moi, conseil nous faire, c'est faire pression sous deux têtes points. OK? Dans le cas ça, nous parlons directement deux têtes que points. Parce que partie ici là, si vous arrivez à prendre, c'est le mieux. Mais sinon, c'est pas compliqué, il peut déformer au gère. OK? Donc, ça, nous prenons le faire. Avec toute patience que ça m'a dit, nous prenons prend. Nous allons essayer de chercher deux fils. Nous avons une tête de fil là qui là. Par contre, si nous arrivons que nous avons un fil qui mettait colle bien fond là, c'est lui-même que nous allons laisser. Par contre, c'est pression sous. Et ça, aïe, bien. Donc, il y a des fils là comme ça, dans la pointe là. Et puis, nous prenons le travail. Dernier point. Ça qui est plus important, dernier point, c'est que nous n'avons pas oublié faire. OK? Ouais, nous n'avons pas oublié faire. Avec toute patience que ça m'a dit. OK? Nous voulons que nous voulons bien. Mais c'est comme m'espérer caméra me focal ah yes ouais on prend les pieds et puis moi ferme nous gain premier rangé noir complet nous prend le faire yon main en l'air yon main en l'air et l'autre observation que nous prend le faire c'est que nous pas le voir que gain mes premiers parties point OK. Nous allons nous rendre compte que nous avons une ligne qui était là comme ça. Nous avons une autre ligne qui vient générer là. C'est la ligne ça que nous allons travailler ensemble avec lui qui prend le bail, qui prend le fait texture, qui prend le fait grosseur travail là. OK? Pas oublier. Nous faisons une main en l'air, nous virons le projet. Pas oublier, c'est point par point. Ça que nous allons faire qu'on y a. Nous toujours travaillons avec deuxième. Fil qui pas d'air, tête fil qui pas d'air. OK? Nous toujours travailler avec point ça. Nous j'ai aiguille là et puis qu'on y a c'est dans tête fil ça, dans rangé fil ça que nous parlons qui était en relief là, OK? Parce que c'est comme ça nous parlons un projet, dans rangé fil ça qui était en relief là, c'est le tête fil ça que nous parlons utiliser pour nous capable faire texture là. On aussi aiguille moi. On finit fait main en l'air là. Nous faisons vraiment aller là. Pour premier point, désolé. Nous conseillons de nous mettre le projet en face, nous comme ça pour que nous capables de en face, c'est-à-dire dans la direction ça, pour que nous capables de et travailler mieux, pour que nous ayons point au mieux. Dans le premier rangé, c'est plus facile. OK? Donc, oui, caméra, aidez-moi, t'en prie. Seconde. OK. Donc là, on est là et puis nous pouvons faire pour ça. Pas oublier, dans point qui est en relief, c'est justement point qui est en relief que nous pouvons utiliser. Là, je viens de voir, je faire le même schéma que je l'ai répété avant. On prend deux fils. On fait une main en l'air. On prend de l'autre fil. Nous pouvons le répéter là encore. Nous cherchons tête. Deuxième fil, deuxième et point, ok? Qui point qui correspond à lui en bas? Si, ça qui cabe de nous, c'est compter qui est le premier, qui est le deuxième. Nous partons ça, nous partons ça. Après, de nous compter si nous dans le premier, si nous dans le deuxième, si nous dans le troisième, pour sinon faire erreur, ok? Donc, même si ce n'est pas le même que nous avons utilisé, mais après, de nous compter. Donc, là, regardez, moi, c'est là qui est le deuxième fil, là. Ok? Non. Deuxième point, mais c'est celui-là qui est deuxième, peut-être là. On prend deuxième fil là. Je m'excuse. Fais attention à ces petits fils là. Surtout c'est algodon. Moi, fais. Et on met en l'air. On prend deux fils. Moi, fais deux autres mains en l'air encore. Et on l'autre main en l'air encore, pardon. Et puis, on prend deux fils.
On va continuer ainsi de suite. On va devenir plus facile pour que nous passions ce fil-là. OK? Point qui est en relief. Point qui est en relief pour le guider, non? Pour que nous soyons capables d'identifier dans quel point que nous sommes, à quel côté, pour que nous prenions. Pour que nous prenions tête point qui est en relief là. OK? Donc, je vais me distraire avec ça. On va le faire. On va aller dans le troisième point. La caméra va les focus sur nous. On va prendre le troisième point. On prend le troisième point. Nous descendons. Oui. On descend. En fait, je ne vais pas travailler comme ça tout au long du projet. Il y a un autre tip, un autre bagage encore, c'est que depuis nous avons un point qui croit que là, nous parlons que l'aiguille est alignée sans aucun problème. Aiguille est alignée sans aucun problème. Ok? Et puis, nous parlons continuer comme ça. Moi, je conseille de travailler en vertical parce que comme ça, on a carré pour un yo. Mais si vous déjà connaissez pour un déjà, bien facilement, vous déjà well. Et puis, vous continuez de travailler. On va continuer comme ça jusqu'à ce que moi finir en jeu et après ouais la dernière pointe là pour que nous avons une petite particularité qui gagne dans le final chaque rangée. Nous arrivons dans le dernier point Non, si moi pas menti, ça c'est troisième en genou. Ok? Donc, pas oublier, nous allons chercher. De tête, des tête, fil que nous avons besoin, qui c'est parti des dans tête point, il est toujours rentré puis fond. Donc, on s'y pour nous chercher. Nous, côté pas menti, on rentre aiguille là. Dans le cas, ça est toujours plus près et tête point qui est en relief là. Ok? Donc, moi, c'est sûr que deux points là, je vais trois fils sur l'aiguille. Moi, je prends deux. Si je ne dis pas faire rebelle, je fais avec toute précaution, avec toute patience que ça m'a dit. Je prends deux fils. Je prends deux. Je fais un point. Yon maille. Et puis, on prend l'odeur. Point. Moi, toujours, moi, nous supposons toujours gagner une ligne en relief. C'est le même qui bat, pas oublier que c'est le même qui bat texture à point. Encore une fois, yon maille en l'air. Et puis, nous allons répéter le même schéma. Nous allons répéter le même schéma jusqu'à ce que. Ni dans le coin, yo, ni dans le corps, là, jusqu'à ce que nous supposions que nous finissions et nous voulions finir ton champ, que nous avons une mesure que nous voulions, que nous avons une hauteur que nous voulions, etc. etc. Ok? Donc, c'est même à partir de là, c'est même barre là que nous avons répété. Pas oublier, fais attention pour que le point soit bien aligné et puis, ou toujours supposé gagner en ligne en relief. Il y a une ligne de point, ou tête ligne, il y a en relief parce que justement, utiliser partie derrière point, partie devant, si vous avez été en relief, vous faites et next rangée. Ok? Donc, moi-même, je continuer le travail jusqu'à ce que moi fini complètement, moi juger que ton chambre n'arrive pas en hauteur et que les. Pour moi, capable utiliser la cuisine pour. Pour n'importe grosseur de plateau, etc. Ok? Là, moi, je crois que je me fais. Et 1, 2, 3, 4. Moi, je fais 7 rangées.
Yon nan bagay ke mwen te vle montre nou se ke se fasilite ke sa genyen lòk ou deja fin genyon yon sete yon kantite kou kapab kembe avèk men fasilite ke li genyen nan pran fil la. Ok? Donc, nou gen la kon sa. Otomatikman fil yo antre ou vin aligne. Mba kont se nou rive wèl, men otomatikman ke m fè sa. E tekstye la montre m ke se sa pou m fè. Nou wèl? Tekstye la montre m ke se sa pou m fè. Automatiquement que je fais ça pour un relief là déjà bien aligné parce que moi t'es bien fait base là. Ok, quand ça devient plus facile et toujours m'a dit un petit patience serré mais moi connais que on tape avec parti ça automatiquement piquer aiguille là tout droite les aller dans fil qui est tête fil qui est en relief là et puis moi capable faire travail là mieux. Si on travaille en gros, on va que nous ne sommes pas à l'aise avec partie ça, on va facilement doubler les, mettre l'un d'eux. Voilà, comme ça. Pour plus rapide, pour plus pratique, pour plus facile, au fur et à mesure que va avancer. Au fur et à mesure que va dédoubler les et puis on va arriver dans le point que n'allez mes couvrir. OK? Donc on va continuer. Encore une fois, hors de caméra, ou bien 8 ou 10x. Et puis, moi, je vais retourner pour nous capable de faire dernière ligne ensemble. Et puis, mettez un petit lance là-dedans pour que le nom fin lavelle, pour que le nom fin lavelle fin séché. Donc, à mener la cuisine, nous sommes capables de pendier. Ok, qui c'est idéal. Pour ça, nous allons apporter demain pour que nous capables de travailler dans la cuisine. Si genre de projet ça vous intéresse, nous pas oublier quitter un commentaire, pas oublier partager là avec nous, nous pensez qu'il y a plus de style. Si vous faites qu'à commencer crochet tout, dites-nous qui point qu'on t'a mis travail, qui genre de projet qu'on t'a mis travail. Il y a une autre bagarre encore, c'est que pas oublier demi point c'est de tout pendant. Je crois que dans 10 prochaines vidéos ou bien dans 5 prochaines vidéos minimum que nous avons gagné aussi seulement point de base qu'on a utilisé. Pour qui ça? Parce que généralement et li toujours dans tête nous que ou bien pour le moins moi-même moi expérimenter ça que faut me connait en pile moi pour mon travail non gagne des monde qui moi a regardé des artisans qui a fait des travail qui extraordinaire à travers le monde yo pas jamais utilisé comment ouvrir les points ça mais ça les baleta pero yo pas dire baleta en français baleta c'est en espagnol et des brides, pardon, voilà, des brides, y a pas utilisé bride dans le travail, yo. Ok, y a utilisé demi-point, et, mais, moi, espérer, non, parce que deux prochains projets, nous, y a gain pour avec, et, torchon, et, des différentes façons que nous avons fait torchon, avec des points différents, nous avons utilisé même point pour nous faire de l'autre bagaille, mais, comme c'est des petits projets, pour que nous avons commencé le travail, à tout échelon, ou que nous travaillons à la fin à tout échelon. Petit projet, grand projet. Et puis tout, l'idée, c'est d'utiliser point que nous gagnons. Parce que même point si là, moi, je peux utiliser pour moi faire une valise, pour moi faire un sac à main. Et même sac à main si là, moi, faire la différente grosseur. C'est-à-dire que moi, faire le petit pour mettre mon téléphone avec vraiment le juste nécessaire. Moi, faire tout pour que moi, capable, et, par exemple, bon, alors, soit je voulais mettre quelque et téléphone moi et puis tout ça me besoin incluant maquillage et inclut maquillage et inclut je sais pas un autre accessoire. Ok, donc on est capable d'utiliser la valise ça si nous t'avons fait valise toi avec moi ça nous capable quitter en commentaire alors fais me connaître en commentaire et puis m'a partagé vidéo avec nous puis bonheur que ça que je moi t'as doué faire ça. Ok, c'est sûr que dans le prochain jour sur internet là sur Instagram entre Instagram et Facebook moi publié mes processus là un à un napoel bien sûr sur YouTube. Ok, mais pas de quitter un commentaire, partager vidéo hein, fais me connaître si nous aimons genre de vidéo, fais me connaître si nous apprenons avec genre de vidéo ça yo. Et ça a bon plaisir, ça a bon courage pour que moi par faire méthode là bien et
chercher plus, investiguer plus pour m'apporter pour nous. Ok? Donc, je pense que nous rendons compte de faciliter que travailler une bonne base de points et bail comme résultat. Donc, quand on parle de travail hors de caméra, nous allons prendre un relief là pour me faire sûr que nous avons ça clair. Pour un relief, c'est ça qui fait que le travail a une texture qui vraiment est un touche pour ne pas bouler. Vous comprenez? L'obra utiliser la cuisine, et peu importe que c'est dans la faute, ça ne va pas transpercer le travail. Ok? Donc, on va continuer hors de caméra. Le nom arrivé dans une hauteur de minimum 15 cm, je pense, il a suffi. On va retourner pour nous faire dernier rangé ensemble qui a une particularité. Et puis pour nous faire une manche pour que nous save touchons nous. Ok, moi pratiquement fini avec torchon moyen. Mon très cher torchon. Pour être capable de connaître et mesurer plus ou moins. Les mesurer, disons, 19 cm. Et là, moi, j'ai gagné 16 cm. Ok? 16 cm. Ok? Donc, ça que nous pourrons faire, Kounia, c'est que nous pourrons aller. Nous pourrons faire dernier rangé ensemble. Et puis, mais avant ça, nous pourrons faire un lance pour que vous capable pendre, pour que les cas pas facile, pour que si ou pas obligé mettre dans surface plat, nous capable pendre dans la cuisine. Pour ce faire, ça nous pourrons le faire. C'est que nous pourrons, après ça, nous pourrons travailler pour que nous serrer fil ça tout. Bien, ça nous prend le fait, c'est que le nourri venant avant dernier lina, avant nous connaît que nous prenons le fermer lina, nous prenons le fini projet. Ça nous prend le fait, ça dépend de chaque monde, on peut faire longueur que vous voulez, on peut le faire, disons, une quantité de malheur que vous préférez. Ok? Il n'y a pas un numéro obligatoire, ou faire une quantité de malheur que vous préférez. Lorsque vous faites une quantité de malheur que vous préférez, on est capable de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait 12. Ok? Donc, on va gagner mesure ça. Ça, c'est juste une partie pour qu'on soit capable de prendre un côté. On va faire plus, on va faire 15 parce que. Et dans le cas que vous avez. Vous avez mettre dans une sorte. Si on a utilisé tout le temps, les cas mettre dans la ceinture, c'est juste un bagage pour que vous soyez capable. Tâcher l'un côté ou pour capable prendre l'un côté. D'accord? Pour mettre le sécher plus facile. Tout. Donc, pour que nous capables inclure dans le projet, ça nous va faire, c'est ça. Là, nous avons un dernier pour nous faire, dernier rangé. Ok? Nous allons faire dernier rangé. Nous avons un projet nous là, comme ça devant nous. Nous faisons faire, disons, manche pour que nous fassions là, qui va arrêter comme ça. Nous avons choisi de faire des demi-points, mais moi, je vais faire le plus simple possible, comme ces premiers torchons que nous avons fait ensemble. Ok? Donc, nous allons commencer le travail avec le point qui a fermé le projet. Ça nous prend le fait. Nous songeons que pour nous travailler le projet, pour nous faire un point spécial, pour nous faire un effet, pour nous faire une structure, si là. On te fait c'est que nous te travaillons dans tête point nous te travaillons avec partie ça et point relief là ça que nous pral faire qu'on y a pour que nous capable même effet ça pour que nous capable fini projet c'est nous pral faire comme ça nous pral faire que c'est généralement j'en nous qu'on utiliser pour que nous et pour que j'en nous faire coucher avec demi point nous pral travaille dans corps complet ouais nous introduit et huile là dans tous les deux têtes. On introduit aiguille dans tous les deux têtes. Ou pral passer dans point relief là, dans point relief que nous gagnons dans rangé ici là. Et pour pas faire même mouvement. Cette fois-ci, on va faire tout ensemble. On fait un demi-point.
montre-nous comment les unités. Automatiquement, ça qui vient gagner, c'est que vous venez gagner manche là, tête là. Vous venez gagner qui inclut directement dans le projet, donc vous ne pouvez pas gagner pour cours d'après. Il y a l'autre option, je vais vous montrer. Par exemple, dans le cas ça, moi j'ai utilisé un petit bois pour me faire un petit peu plus vintage. Moi j'ai utilisé un petit bois et un cercle en bois. Moi j'ai mis là-dedans. Ok? Donc, c'est la plus large et puis nous inclut tête là. Dans le projet A, une fois. Nous avons un relief là. Précieux. Ok? Donc, nous allons continuer dernier rangée A. Nous allons continuer. Oh oh. Tout ça aussi en live pour passer tout. Ok. Nous avons fait un demi-point. Ok? Quand ça nous allons faire, c'est que nous allons répéter le même processus là. Nous piquer. Pas n'importe si derrière, nous, j'en ai fini à faire normalement, nous. Nous, puis que nous prenons tous les deux tête point, nous passons, mais nous prenons point relief là. Nous prenons tête point relief là. Et puis, nous faisons un demi-point. Tous les deux têtes, yo. Pardon. Tous les deux têtes, yo. Nous prenons tête point relief là. Et puis, nous passons. Nous faisons un demi-point. Tous les deux têtes, yo, point relief. Nous avons trois fils sous crochet. Nous avons en fait nous quatre fils sous crochet. Nous avons un premier fil, ça. Nous avons deux têtes. Demi-point. Et puis nous avons point relief. Là. Il y a un demi-point. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous finissions tout rangée. C'est un coup nous faisons comme ça. Well, super facile. Je n'ai pas besoin automatiquement, le nous fait ça, nous pas gagné pour un relief là encore. C'est-à-dire que nous fermons le projet noir. Ok? Fini. Et voilà. Nous finis avec le champ noir. Nous faisons un bel rectangle. Ok? Nous prenons avec un ciseau. Nous prenons couper le fil. Le plus court possible. Nous pouvons faire attention à point ça. Nous pouvons finir de même. Nous coupons le fil noir. Nous allons faire mouvement ça pour nous fermer le projet complètement. Nous arrivons là. Nous faisons tant que nous allons faire un point. Un main en l'air, pardon. Je m'excuse. Nous faisons tant qu'on a fait un main en l'air. Nous tirons le fil là complètement. Et puis, nous serrons. Ok? Donc, moi-même, moi, t'ai gagné un. Moi t'ai gagné une bobine de 100 grammes dans même et moi t'ai gagné une bobine de 100 grammes, OK? Moi côté. Moi t'ai gagné 100 grammes 8 par 12 mais ça qui était seulement dans projet là. So, si m'te ka fait un rangé en plus et ya, m'te ka fait un rangé en plus, c'est pas grave. M'ta ka utiliser toute bobine au complet. D'accord?
Donc, avec 100 grammes, vous êtes capable de gagner une belle torchon pour la caille, vous êtes capable de faire plusieurs jours, vous êtes capable de faire dans toutes couleurs, bien sûr. Donc, pour nous être capable de serrer, pour ne pas défiler, pour ne pas quitter ça, faire ça, pendre comme ça, ça nous pourrons le faire, c'est même généralement, nous sommes capables de coudre lui. Moi, généralement, ça m'a fait, c'est pour me rassurer lui. Utiliser le corps pour gérer comme ça. Il faut faire attention. Moi, utiliser le corps pour gérer. Donc, ça fait que le point là était fin. OK? Et puis, moi, passer 8 mois. Il y a un côté quelconque dans le projet A. Attention. J'espère qu'on voit bien. Et puis, moi, faire fil la passer en bas. OK? C'est sûr que je prends fil que je pas de prendre. Donc, on fait fil là. Passer en bas. Et puis là, oui. Moi, couper fil là. Donc, extrémité ça a été parfait. Pour nous faire extrême, pour nous faire même barre en extrémité ça, si ou pas te serré fil en trois, généralement, il t'a supposé, t'a qu'à supposé capable de faire. Premier, nous avons premier point de faire. Eh bien, c'est point ça. Si il est possible, ou quand essayer de faire, pour ne pas arrêter un petit. Yon. C'est si il est possible, ok? C'est si il est possible. Si n'est pas possible, tout, il y a plusieurs autres façons. Moi-même, je remets des fêtes. Et ça. Je remets des fêtes, ça, on va faire, on va introduire l'aiguille en tout. Ok. Donc, dans ce cas. Aiguille en fait espace et puis OK. Ça nous prend le fait. Nous gagnons. Dernier point, dernier fil ça. Voilà. Ce fil là. Nous prenons le fait le passé. Là. Nous prenons le foncé solide. OK. Bien serré. Et puis, nous faisons même barrel. Hein? Avec aiguille non on passe non fait très attention parce que fil algodon généralement il y a plusieurs branches dans yo et comme c'est des branches ouvertes c'est pas un fil que yo crocheté donc ça peut arriver que normal passer branche fil yo. OK donc nous avons utilisé tout un aiguille qui est plus petit que ça l'utilise normalement pour qu'il passe plus facilement. OK? Pour ça, quand je n'ai pas arrivé. Et voilà. On coupe le fil là. Tadam! Nous gagnons. Torchon qui prêt. Si nous avons une étiquette, nous pouvons mettre étiquette. Dans le cas que c'est un produit que nous allons vendre, nous pouvons mettre une étiquette. Moi, j'ai toujours commandé étiquette ou bien acrylique ou bien cuir qui baille produit en l'autre vague, qui baille produit en l'autre
notre mouvement, notre rythme commercial, ok? Fais sûr que tout point haut. Ouais. Puisque ça intègre la donne, il est bien facile pour vous capable pendier travail là et je t'en. Non pas un petit Saint-Fleur, moi c'est Honor Gigi Creationnes avec Coach Pam. Son plaisir pour que moi partager toute belle petite connaissance ensemble avec nous. Coach c'est passion, moi mais Coach et moi objectif, moi mission, c'est permettre que Coach arrive en expansion particulièrement dans la culture haïtienne parce que le travail que nous avons fait avec moi artisanat c'est un ampigo source de développement que nous gagnons. Ok? Et je pense que c'est une belle instance pour nous pratiquer. Merci à tous pour nous quitter là. J'espère que nous dans une autre vidéo encore. C'est Angie Saint-Fleur. À la prochaine. Bye!